Alors, c'est le pagne. C'est un pagne. Est-ce que c'est comment dire, quelque chose que vous portez tout le temps sous vos habits ou c'est une façon spéciale? Alors, en fait, le grec il est assez léger, en fait, c'est sous les pans. Et le pan, c'est vraiment comme ça qu'il peut se balader comme ça tout le temps. C'est, voilà, c'est, généralement, il n'y a pas grand chose, c'est vraiment minimum. Voilà. Le minimum, c'est ça. Un peu moins. Ok, donc le pan. On peut l'applaudir peut-être quand même. Voilà. Je vais appeler mes collègues, je vous envoie. On les applaudit encore, toujours. Ok, donc pour une alors, les Gaulois portaient des sous-vêtements, les hommes s'appelaient, le sous-vêtement masculin s'appelait le soubligaculum. Alors, c'est une pièce de tissu, une seule pièce nouée sur le ventre et passée entre les jambes et qui a un rabat sur le devant pour cacher l'essentiel et les principales. Alors, on dit que les Gaulois ont pris cette habitude suite à la romanisation, ceux qui avaient servi chez les Romains ont gardé cette habitude parce qu'ils trouvaient ça très confortable. Quant aux femmes, dont je suis la modeste représentante, nous n'avons pas d'informations sur les dessous, si ce n'est que peut-être n'avait-elle rien. C'est pour cela que je vous ai présenté une sous-robe qui se porte donc sous les vêtements. C'est moins sexy. Merci. On passe à notre étape suivante, qui est Moyen-Âge. On l'applaudit, s'il vous plaît. Alors voilà la chemise médiévale qui s'étend sur pas mal de siècles. Notamment pour le peuple, elle est plutôt courte pour les femmes. Elle a immolé pour faciliter le travail notamment. Voilà, donc c'est très ample. C'est porté la journée comme la nuit pour dormir. Et plus le tissu est de maille serrée, meilleure est la qualité et le prix aussi de la chemise. Quand on est riche, on en a plusieurs. Quand on est moins, on a qui. Pour les hommes, la chemise est très importante. Il contient aussi des vrais sur lesquels on vient attacher des liens et après on attache aussi des choses qui se mettent sur les pieds. Donc, petit argument, en fait, ils sont les plus nobles, donc des vrais. On est fraîche et oui, mais quand même, t'as pas de droit. Nous, on n'a pas le droit aux choses. Nous, on n'a pas le droit aux choses. Il y a des photographes et tout, et c'est pas le même. La photo, il faut tendre la main. Quand t'as gazon, il y a marre. Voilà. Donc, on applaudit les exemples. Les mecs, là. Génial. Il y a une petite tape sur la tête. Ah, je suis trop heureuse. Et des vrais grecs, quoi. Des vrais grecs. Ah, mais quand même. Qui porte un corset. Merci. Non, c'est moi, je suis mineur. Ah non, je veux pas avoir de problème. C'est des mineurs. La majorité sexuelle, c'est elle. Non, c'est vrai que... Donc on a un corset avec une chemise de corps, une chose sur la chaussée, ça s'appelle des paillettes. J'ai oublié de parler des bas. Une serre de corps. C'est pas de corps. C'est pas de corps.
c'est le Saint-Amand du 18e. Ici, on a également une jupe de pudeur. Évidemment caché. Ils n'ont pas de pratique. Ouais. Pourquoi ils ont des sillons sur les copines? Ce sont des paniers, c'est pour vous. Alors, pas beaucoup de vêtements. Même chose ici, on a la chemise de corps avec un premier jupon et un corset. On a le même son. Juste là. Il n'a plus envie. On a la chemise de corps avec un corset et un bas. Et vous avez mis le corset au milieu. D'abord, il y a des élastiques. Et donc là, on a le modèle enfant. On est du zergué à cette époque. On commence seulement à penser les corsets. Non, c'est juste que c'est parti. On a mis le corset, on peut plus. Donc, on va prendre du 8e siècle lorsque vous voulez en faire. Maintenant, les hommes. C'est hyper sexy, c'est trop malé en chaussures et en lingerie. Qu'est-ce que ça nous a fait ? C'est obligé ? Excusez-le, il y a un petit fille qui sort de table. Alors, en fait, nous, on va porter ce qu'on appelle le filet noir. C'est un grand tissu qui fait entre 5 et 7 mètres de long. Ça dépend de la corpulence de la personne. Donc, on va l'étaler à plat et on va faire tous les plis. Alors, ça dépend selon les époques. Il y en a qui sont militaires, il y en a qui sont un petit peu plus anarchiques. Et ensuite, on va venir le resserrer sur nous. Et si vous voulez voir, on fait des démonstrations de pliage sur notre campement qui se situe là-bas. Un peu de pub, ça fait pas de mal. Donc n'hésitez pas à venir, on va vous montrer comment on peut le mettre et on va vous faire essayer. Alors, évidemment, j'attends votre question. Qu'est-ce qu'il y a dessous ? Voilà, qu'est-ce qu'il y a dessous ? Alors dessous, il n'y a rien de plus que la fierté d'Écosse. La preuve ! Marc, en 18e, est-ce qu'on en a entendu ? Le fronton du 18e siècle. Donc ici, on a 18e siècle de chez Caméléon, donc je ne connais pas. C'est à peu près ce que je suis passé pour les Écossais. On a le corset, c'est juste là, les paniers, le chiffon et la chemise de bas. Le panier qui change, c'est un panier à la française. Un gros gros panier. Ici avec Christine, encore ce qu'on ne porte pas panier, elle porte un différent type. C'est fin 18e, c'est pour que ça change de temps, ça change de forme de robe, et donc si ce porte en dessous change évidemment avec. Donc ici on a un petit panier. Quand on s'assoit, on prend bien garde quand il s'assoit pour pas que ça vole. Rien de plus, enfin, si, la légère pierre de l'audio. Je pense que ça passe en fait, il y a une visée en fait, ça passe. On va applaudir s'il vous plaît. Oui, il y a l'extérieur. Je pense qu'il ne s'en pas trop. Ça peut être très pas. Ensuite, premier empire. On a posé. Alors, dites-moi qu'est-ce que vous portez. Donc les hommes, ils portent une chemise, une grande chemise, et rien en dessous. Ou un caleçon long pour les militaires qui vont le voir. Avec ses instruments du matin, comme vous pouvez le voir, on peut les faire un peu plus pour pouvoir finir sa nuit. Et donc là-dessus, bah, on avait un pantalon diabon et un sarrau supplément pour les gens qui travaillaient dans la ville ou comme nous les artisans. Voilà. On a un corset dit à la nuit, que l'on peut pas
Une chemise à plis religieuse. Donc on a une chemise de sous-robe. Et le petit bonnet. On applaudit. Elle n'est pas habillée, elle est que pour ses vêtements. Par contre, elle a plusieurs vêtements. Ok, donc ici on a la panoplie plus complète de son portée sous la première fois. Donc, on a d'abord le caleçon. Un premier jupon. La cage, la robe. Donc il faut mettre 2-3 personnes différentes pour poser la robe. Un autre jupon. Et ensuite, on mettra la robe au-dessus du jupon. Ensuite, une torse. C'est la même chose. Un torset. Forme sa vie. Et une chemise de sous-robe. Et ce qu'elle a dans la main, c'est un calme. On change de forme littéralement, hein, de voir qu'il n'y a plus rien à voir pratiquement, à part l'arrière. Le but c'est de... donc on porte une chemise de un corset, toujours. Ici avec nous, on a le caleçon. Avec la jupe droite un peu entravée, voilà. Assez droite, on commence à... le jupon. Oui, parce qu'on a les... Voilà, on a cette droite-là à peu près, voilà. Ça fait 6 mois. Le jupon, mais qui est relié au truc derrière. 514, ça prend un blanc et un gilet croisé, un peu stylé. Oui, c'est un saut. Limite une cravate, voilà. La queue des chemises qu'il y a au-dessus, donc avec des boules, ça s'appelle la queue des chemises. C'est peinard. Et monsieur, c'est peinard. J'appelle les 1900 et... Et vous l'avez trouvé où, votre patron d'Europe, par curiosité ? C'est une majuscule, c'est une majuscule. Ok, alors je vais commencer avec, parce que le défilé, évidemment, on voit le maillot pas. Donc, ici on est en 1900-1910, avec un maillot pain, voilà, qu'on portait à la mer. C'est la même chose, mais d'une autre couleur. Il n'y a juste pas de choses. Ensuite, pour les tenues de jour, on a... Et tu as tendu. J'ai des centaines de patrons de pogs. Et je me rends compte que en une France, chemise. Il y a aucun patron de pogs français. J'ai des patrons de pogs, donc je commence à me poser le modélisme pour adapter les patrons de pogs français. Les pogs, et un petit rajout à l'arrière. Parce que sinon, on ne peut pas faire alors, ici, on a encore une culotte tendue. Un petit jupon. Une chemise et un corset. Je vais commander chez tous les Victoriales en Italie. Et du coup, je commence à me dire qu'il va falloir que je crée des tapis français d'époque parce qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Je pense que je vais poser des questions demain aux gens. Comment il faut